Donc cette émission se déroule de l'exposition sur Longomaï au cave à Lulu, centre Boris Bojnev. Et donc c'est Bertrand qui va commencer par faire ce tour géographique de toutes les coopératives de Longomaï. Alors tu as dit la plus ancienne, la plus vieille, la première des coopératives de Longomaï, c'est à Liman. C'est elle qui a donné le nom. D'ailleurs même entre nous souvent on l'appelle Longomaï. Celle-là, elle date de 1973, après la décision historique prise à Bâle par une trentaine de jeunes à l'époque, de quitter les villes et de s'installer dans des montagnes désertifiées. Ils sont tombés sur cette colline de Liman, 300 hectares, partagés sur les communes de Liman et de Fort-Calquier. Je crois qu'on avait calculé qu'il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de gens qui sont passés sur cette colline depuis 1973. Il y a énormément de gens en fait, qui ont participé à Longomaï. À l'heure actuelle, il y a 200-250 adultes qui vivent dans l'ensemble des coopératives. À Liman, on fait un peu de tout. Élevage de moutons, de chèvres, de volailles, de cochons, des abeilles, beaucoup de maraîchage, un verger, des petits fruits. On ramasse des herbes médicinales et aromatiques. On fait de la menuiserie, on fait du textile, on fait de l'agriculture, etc. Et c'est aussi... dans Longomaï, le principal lieu d'accueil, c'est un peu aussi, ça a un côté école, formation, à tous ces métiers que je viens de citer. On y fait aussi de la radio, puisque le studio de Radio Zinzine est situé sur cette coopérative de Liman. Et depuis là aussi, on gère un petit village de vacances, le hameau des Magnans, qui est à Pierrerue. Ça, c'est pour Liman. Ensuite, la deuxième des coopératives Longomaï créées, c'est la filature de Chantemerle, qui a été achetée en 1976, parce qu'elle était en vente, si on l'a achetée, ça c'est sûr, mais surtout elle était abandonnée. Ça n'était plus une filature. Là se font tous les travaux de la laine, lavage, cardage, filage, tissage, tricotage, papotage, feutrage aussi, exactement. L'usine fonctionne grâce à la rivière qui s'appelle la Guisane et par l'intermédiaire d'une turbine qui fabrique de l'électricité. Mais disons que la troisième, c'est la coopérative d'Autriche qui s'appelle Hofstoppar, qui se situe sur la commune de Eisenkappel dans la province de Carinthie. Pourquoi une coopérative en Autriche comme ça si vite? C'est simplement parce que dans les fondateurs de Longomaï, il y avait beaucoup d'Autrichiens. Cette ferme, c'est une vraie ferme de montagne avec élevage, transformation, charcuterie, fromage, etc., travail de la forêt. Et donc en 86, on a redémarré une ferme en Suisse, elle s'appelle Le Montois, elle est dans le canton du Jura suisse sur la commune d'Indervilliers. C'est aussi une ferme de montagne, moutons, apiculture, énormément de pommes, on a un passionné des pommes là-bas, qui fait aussi du miel, herbes médicinales, etc. Et il y a une partie du travail administratif et autres, parce qu'on est très implanté en Suisse, qui se fait depuis cette ferme. Et notamment, il y a chaque année des marchés de Noël dans les principales villes suisses qui se font à partir de cette ferme avec les produits de l'ensemble des coopératives de Longomaï. Alors, en 1990, le Mas de Granier, c'est dans la plaine de la Croix. Là-bas vivent... environ 25 personnes. On y fait aussi de l'agriculture, des céréales, énormément de maraîchage, c'est en fait l'activité principale, des olives, l'huile d'olive, et on a là-bas une conserverie artisanale qui sert à la transformation des fruits et légumes des différentes fermes de Longomaï en France. Et là, c'est une ferme en Ardèche qui s'appelle Trénas. Là, c'est un peu particulier parce que c'est un groupe qui existait depuis très longtemps, quasiment depuis autant de temps que Longomaï, si je me souviens bien, et qui a rejoint Longomaï en 1989. Là-bas, on a plusieurs dizaines d'hectares de forêt
Et donc c'est une des activités principales de cet endroit, c'est le travail de la forêt, l'entretien de la forêt, mais aussi la coupe de bois, débardage à cheval. Il y a une forte équipe de débardeuses qui travaillent à cheval, sillage, menuiserie. Ils travaillent aussi les charpentes, ils vendent des charpentes, ils les installent. Et en autosubsistance pour eux-mêmes, donc ils font du maraîchage, de l'élevage et de l'agriculture. Ils sont très impliqués dans un réseau auquel on participe qui s'appelle le RAF, et non pas la RAF, et c'est le réseau pour une alternative forestière. Ensuite, après 89-93, c'est l'achat du domaine de la Cabrerie à Vitrolles-en-Luberon. Donc ça, c'est la plus proche d'ici. Là, on y fait principalement du vin. Il y a 10 hectares de vignes, mais on y fait aussi de l'élevage de moutons, de l'agriculture. Il y a 6 personnes qui y vivent, mais il y a beaucoup d'échanges avec ici, notamment les équipes de vendange et de taille de la vigne qui viennent d'ici. Et puis, on va commencer à voyager vers l'est de l'Europe. Je crois que j'ai oublié personne. En fait, l'histoire commence en 1989 avec la chute du mur de Berlin et l'envie qui a pris à beaucoup de gens de Longomaï d'enfin pouvoir aller voir à l'est de l'Europe si les gens avaient la même tête que nous et les mêmes choses dedans et s'ils étaient faits comme nous, parce que jusque-là, on ne pouvait pas trop se rencontrer. Et donc, l'aventure vers l'est a commencé dès 89-90. Et là, nous avons sympathisé avec beaucoup de gens dans l'ex-RDA. Et de cette amitié et de ces rencontres est née une ferme qui s'appelle Uhlenkrug, la cruche des chouettes. Voilà. Ah oui, c'était un bar avant. Ouais. C'est dans le Mecklembourg, au nord-est de l'Allemagne, à peu près 1h30 de Berlin. Il y a une trentaine de personnes qui vivent là-bas. Et c'est une grande, grande ferme. Alors elle est... Le terrain de la ferme est tout plat, oui. Et on y fait beaucoup d'élevage bovin et autres, beaucoup d'agriculture, beaucoup de travail aussi avec les chevaux, beaucoup de travail sur les semences, toute une bande de passionnés de cette question qui vivent là-bas. Et il y a aussi des petits génies en tout. Et il y a une très grande installation photovoltaïque et d'autres installations dites d'énergie alternative. Alors, depuis le début, Longomaï a démarré à Bâle, le congrès de fondation a eu lieu là-bas. Et finalement, on a fini par acquérir une maison en 1994. Elle est très très belle, d'ailleurs, à deux pas du Rhin. Il y a le siège de l'association Pro Longomaï qui travaille au bénéfice de Longomaï pour aider Longomaï dans ses aventures. Et c'est aussi le siège du Forum civique européen. Et on y fait évidemment beaucoup de travail bureaucratique, administratif et de recherche de fonds. Et enfin, donc, toujours dans cette idée de partir voir ce qui se passe à l'Est, on a été jusqu'en Ukraine parce qu'on avait un vieux pote journaliste moscovite qui était natif d'un petit village d'Ukraine qui s'appelle Nijne Selitche. Il nous a emmenés là-bas, ça nous a plu. On a rencontré des jeunes Ukrainiens qui sont venus apprendre le français ici. C'est une grande aventure, ça date de 90. On a notamment fait dans ce village une fromagerie qui maintenant est indépendante de Longomaï, qui vit sa vie de fromagerie villageoise. On a créé aussi dans la ville de Oujgorod une école de langue qui vit aussi sa vie d'école de langue toute seule, qui se débrouille. Et depuis 2006, on a monté là-bas une petite ferme, toute petite. Il y a 5 personnes permanentes qui y vivent et qui font de l'élevage et de la transformation. Voilà, j'ai fini le tour juste pour dire... qu'en vieillissant et en rencontrant plein de problèmes par rapport au statut juridique, etc., aux difficultés de la propriété privée, on ne voulait pas avoir d'emmerde entre nous, on voulait que ça reste sympathique et que ça continue, même après nous, avec d'autres. Et donc on a mis toutes ces propriétés dans une fondation suisse qui s'appelle le Fonds de Terre Européenne et qui est co-gérée par l'ensemble de Longomaï. Voilà. Donc c'est des propriétés qui sont à l'abri, avec des très stricts qui fait que si jamais des gens décidaient d'abandonner un de ces lieux, une de ces coopératives, voilà, elle serait transmise à d'autres pour continuer dans les mêmes buts, c'est-à-dire les buts et la philosophie de Longomaï. Ouais. On parlera aussi plus tard, il y a plein de gens qui sont passés, qui ont monté leur propre truc, c'est pas Longomaï, mais où on a participé dans de nombreux cas, et où il y a toujours des amitiés, de l'entraide, etc. Mais on y viendra au fur et à mesure de l'émission. Ouais.
Oi da da, oi 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 da,